Bonjour, tu regardes ASMR Frères. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec... Naomi. Tu veux une chaise? Naomi, que vous avez déjà vu dans deux vidéos, dont une que je vous mets dans le petit i si vous voulez. La dernière fois, elle m'avait fait cette petite mèche. Et cette fois-ci, qu'est-ce que tu vas faire, Naomi? On va être chaud, prends-tu? Je suis sûre qu'on voit vraiment ma culotte. En fait, je fais vraiment pas gaffe depuis tout à l'heure. Vous avez été hyper nombreux à me dire ah, mais bah, c'est quand que tu rases ta tête, c'est quand que tu rases ta tête. Ah, moi, je suis excitée. Même moi, j'ai trop hâte. En vrai, pourquoi je veux raser ma tête? Ouais, parce qu'il y en a plein qui me disent à chaque fois mais pourquoi tu veux faire ça? Tes cheveux, ils sont beaux. Non, ceux qui sont là pour dire ça, cassez-vous, s'il vous plaît. Je déteste ça. Genre, c'est mon choix, je fais ce que je veux. Et vous n'êtes personne pour me dire c'est dommage, quoi. C'est juste pour une expérience, en fait, parce que je me dis que c'est la bonne période pour le faire. Et juste pour voir ma grosse tête sans cheveux. En plus, j'en suis sûre que ça m'ira bien. Pour moi, c'est que des cheveux et des perruques, ça existe. Donc. YOLO! J'ai envie de faire. Je peux utiliser ça pour couper? Oh, t'es sûre? Mais je coupe mes cheveux avec ça, moi, des fois. Mathieu m'a dit ça va peut-être s'embourber tes cheveux. Ah, ouais, y'a moyen, ouais. Ça se trouve, il coupe mal. Bah, non, ça va, il coupe bien. J'avoue, il coupe bien. Mais mets ta serviette, wesh. Oui. Ah, j'avoue. I forgot. Attends, j'ai prévu des petites questions d'abonnés. Ok, moi je pensais qu'il fallait raser puis c'était bon. Non. Déjà je vais faire genre partie par partie. En mode je vais pas raser direct là. Ok. Je vais raser derrière comme ça si jamais tu te... ou je sais pas. Tu veux des pinces genre? T'inquiète. 2 seconds later. Bon en fait si je peux avoir des pinces s'il te plaît. Le blanc ou le noir? Le blanc. Toi c'est le noir. Ouais. En vrai de plus en plus je recommence à reporter du noir. Mais le blanc je trouve que ça illumine plus mon visage. C'est vrai. Réussir sur YouTube mais perdre tes amis ou ne pas réussir sur YouTube et garder tes amis. Je me ferai d'autres amis. Je pense que je préfère quand même garder mes amis parce que déjà que j'en ai pas beaucoup. T'es prête? Ouais. Mais tu veux pas AZZ? On est d'accord? Non pas AZZ, pas... genre je veux avoir un peu de longueur. Ok. Passer une semaine de vacances avec ton copain ou tes amis? En vrai, amis, je pense que c'est plus rigolo qu'avec copain quand même. Bah ouais, tu... ouais. En vrai, j'aimerais trop partir en vacances avec Mathieu. Genre, je suis jamais partie en vacances avec lui. Mais j'aimerais trop... C'est vrai qu'ils sont beaux mes cheveux. Passe ta main dans tes cheveux. Oh, ça va être beau. Oui. Ouais, j'aimerais trop aller en vacances avec mon copain, mais je pense quand même qu'avec des potes c'est plus délire. Genre. Délire. Bah tu rigoles de ouf. Ouais. Hey, mais d'ailleurs, ça c'est un truc dans South Park. De quoi? Délire. Ah bon? Oui. C'est rigolo. T'es Buffalo ou t'es Doc? Mais Buffalo sans hésiter. En vrai j'aimerais bien avoir les... je sais plus mais je vous mets le modèle là. Genre elles sont trop trop belles et tout. J'ai deux copines qui les ont, elles sont magnifiques. Tu vois ou pas? Genre tu sais elles sont... T'as pas perdu de temps là. Kéké toute molle, kéké toute molle. Tu connais pas si ça se part justement? Non. Tu vas pas. C'est le truc de... Game of Thrones? Oui. Kéké toute molle. ODZN ou iSpeak? iSpeak. ODZN. J'adore iSpeak, hein, mais pour moi, ODZN, c'est quand même un niveau au-dessus. Genre, ils ont vraiment trop de talent. Puis même, c'est pas le même genre musical. Ouais, de ouf. La paella ou McDo? Bah, la paella. McDo. McDo, ouais, de ouf. J'aime bien la paella, mais en fait, c'était des espèces de trucs avec leurs yeux, là. Qui les fruits de mer. Ouais. Genre, ils me regardent comme ça. Lire ou nettoyer la cage des rats toutous? Lire. Je déteste par-dessus tout nettoyer la cage des rats. C'est vrai? C'est horrible. Ah non, mais bye bye la mèche blonde en fait. Mais je te dis bye bye. Non vraiment c'est hyper long, c'est hyper fatigant, genre je déteste ça. Ah il me reste... Ah mais il me reste rien? Non. Pour régler ça, non, non. I don't know how it works. Tu veux pareil sur toute la tête ou tu veux un dégradé? Pareil sur toute la tête genre. Et tu veux une longueur comment genre? Là ça m'a l'air pas trop mal en vrai. De base, c'est même pas une tondeuse faite pour ça, quoi. C'est pour les barbes? Ouais, il a coupé ses poils de zizi avec ça. Ah! Ça va, toi? Ouais, ouais, ma
moi ça va en vrai. Ça fait bizarre de voir ma chevelure par terre. Ah, tu m'étonnes. T'es une coupe de prof d'espagnol là. Voy a aprender l'espagnol. Maman, si tu regardes cette vidéo. Désolée, je t'aime. Mais ça n'en finit jamais, t'as une masse de ouf. Je coupe depuis 1h30. Depuis 20 minutes. On dirait une businesswoman, genre, tu sais. Été en festival. Non. T'as jamais fait festival? Non, je crois pas. Moi j'en ai fait une fois, c'était le Garou Rock. Et encore, j'ai même pas fait tout le festival, j'ai fait une journée. Genre. C'est rigolo parce que là t'as plus du tout le book, mec. Ouais, c'est rigolo. T'as tenu un journal intime. Oui. C'est un diddle. C'est quand que t'as arrêté? Oh, je sais pas, je devais être en primaire, mais tu sais, des fois j'écris des trucs dans mes notes pour moi. C'est journal intime évolué, genre. Moi j'ai arrêté en troisième. Subi du harcèlement de rue. Mais j'ai envie de dire qui aujourd'hui n'en a jamais subi. En vrai, dites-moi s'il y a des gens qui n'ont jamais subi dans les commentaires. Accepter un partenariat que tu as regretté après. En vrai, déjà, faut savoir que je fais pas beaucoup de partenariats. Je suis pas assez évoluée. En vrai, non. Ça m'est déjà arrivé, par contre, d'être en voie d'avoir un partenariat et au final, la marque me saoule et du coup, je dis non. Dominos. Dominos, Edine, Bellissima. Ah ouais, Edine. Mais ça va là, ça te plaît ou pas? Ouais. Après, j'aimerais bien voir rincer, genre, qu'est-ce que ça va donner là. Genre, parce que c'est vrai que c'est rigolo qu'ils soient lisses. Ouais, ils sont lisses. T'as des cheveux caucasiens, bien, frère. Qu'est-ce qui se passe? Ça, beau. Je veux dire que ce matin, j'ai filmé nos routines capillaires. Ah ouais, on aurait pu couper tes cheveux pour les envoyer à l'association, tu sais. Oh, en plus, je voulais faire de base. La grande question, c'est est-ce que je vais toujours exciter mon mec? Ah oui, je pour toi. Hein. Oh, c'est bizarre. Tes cheveux là. Ah oui. Tu veux que je rase à blanc ou pas? Bah ouais. Ça fait bizarre. C'est bizarre de faire ça et de pas avoir de trucs qui me vont sur les côtés. Ah, tu m'étonnes. C'est rigolo parce que t'as quand même ta raie au milieu. Mais ouais, mais t'as vu, mais elle veut pas me quitter cette raie. J'en ai marre. Je suis pas coiffeuse. Hein. Je vais faire un bac L, laissez-moi tranquille. Et j'arrive pas à avoir la même longueur partout. I am shook. J'ai des cheveux là, on dirait que j'ai de la peau. Une tête poilue. Putain, c'est rigolo, on dirait. Maintenant, j'ai mis un kiwi. Bah écoutez, je sais même pas quoi dire. Parce qu'en vrai, du coup, la vidéo n'est pas finie. Parce qu'il faut que j'aille me laver ma grosse tête. On se retrouve après avoir lavé les cheveux. Et voilà. Bon, du coup, en vérité, on se retrouve 2 jours après avoir rasé mes cheveux. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ne sont pas rasés exactement de la même manière. En fait, hier, je suis allée chez le coiffeur parce que, en fait, vous savez que je suis une personne extrêmement maniaque. C'est juste qu'il y avait des endroits, du coup, c'était plus long, des endroits, c'était plus court. Mais de cette façon, on l'a dit tout au long de la vidéo, c'est que la tondeuse était vraiment pas adaptée, je pense, à ce genre d'utilisation. On n'avait pas vraiment le matériel fait pour, donc même avec un sabot, on n'a pas réussi, en fait, à tondre partout de la même longueur. Du coup, je suis allée chez le coiffeur qui m'a absolument douillée, donc 30 balles. Je pense que je me suis fait arnaque, hein. Genre vraiment, j'ai des cheveux extrêmement courts. Du coup, juste ce que je lui ai demandé de faire, c'était d'égaliser, quoi. Du coup, ce qu'elle a fait, par contre, à merveille, hein. Au milieu, on dirait qu'on a rasé sans faire exprès et tout, mais absolument pas. En fait, il faut savoir que quand j'étais jeune, je me séparais toujours mes cheveux en deux. Et je pense que du coup, mes cheveux ont pris l'habitude d'être comme ça, et ça fait vraiment très longtemps que du coup, j'ai une espèce de raie au milieu naturel, genre. J'aime vraiment beaucoup, je trouve que ça fait vraiment grave femme, enfin ça change de ouf mon visage et du coup je me mate dans le retour hein, depuis tout à l'heure, clairement désolée. Franchement je suis grave fière d'avoir réussi à sauter le pas parce que j'avais quand même les cheveux longs avant, mais c'est vrai que moi j'ai vraiment pas de soucis avec mes cheveux. Enfin par exemple justement quand je suis allée chez le coiffeur hier, les nanas m'ont demandé comment étaient longs mes cheveux avant, je leur ai dit qu'ils étaient longs à peu près jusque là, elles ont fait quoi? Mais moi en vrai genre je sais pas, pour moi c'est que des cheveux, moi je fais pas partie de la team en mode oh, mes cheveux ma vie. Non vraiment moi je m'en fiche, c'est d'ailleurs pour ça que j'utilise la gamme ultra doux pour mes cheveux, parce que je m'en fiche un petit peu. Du coup, elle m'a également fait l'arrière. C'est complètement prévu que je fasse un maximum de coloration sur mon crâne parce que je trouve ça absolument magnifique. Par contre, j'ai un max de pellicules, hein. Je les vois voler, genre. Je vous avoue que là, je trouve ça très très beau, court, mais je pense que je vais quand même laisser un petit peu pousser. En fait, ce que j'aimerais bien, ce serait avoir la hauteur d'une boucle. J'aimerais quand même avoir mes bouclettes. Et voilà, n'hésitez pas à me conseiller des marques de coloration. Pas trop cher, hein, parce que moi, clairement, je suis radine, hein. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que je n'ai rien oublié. En tout cas, si j'ai oublié des choses, dans tous les cas, je le rajouterai dans la barre d'informations si vous voulez. On se retrouve du coup jeudi prochain pour un nouveau vlog et dimanche prochain pour une nouvelle vidéo facecam. Ciao! Je suis trop fraîche.